Et on arrive à la situation sanitaire. 978 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 605 guérisons et 21 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Je vous invite à écouter le docteur Jamel Fourard. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 978 nouveaux cas, 518 nouvelles hospitalisations, 605 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 21 décès. Avec la notification de 978 cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 15 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 20 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 21 décès au cours des 24 dernières heures, alhamdoulilah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, durant les 24 dernières heures, nous avons 518 nouveaux patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 53 809 patients guéris, dont 605 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 46 patients intubés, hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, nous passons toujours le même message à notre population. Il faut rester très vigilant durant cette période, respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, je répète, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances.